Salut tout le monde. Bon, j'ai réussi à mettre ma borne en tâté. J'ai bien galéré. Ouais. Heureusement que Greg m'a aidé, un spécialiste de l'arcade. Donc en fait, au début, moi j'avais enlevé les écrous, donc je m'étais bien galéré. En fait, faut tourner carrément la carcasse, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de tutos sur YouTube. Là, il n'y a pas de son parce que j'ai enlevé la carcasse là derrière. Hein. J'ai enlevé la carcasse, donc il faut que je remette le son. Mais voilà quoi, franchement. Et puis il faut que je remette aussi tous les trucs ici là. Alors je sais pas si c'est derrière ou devant. Bon, faut que je remette tout ça. Et puis après ça va être bon. Bah, je vais faire la vidéo de toute façon. Une fois que ça sera terminé, monter. Bon, on y est, ça y est. Là. Franchement nickel. Donc après il me restera la partie grise. Apparemment il y a des vis à enlever pour tourner l'écran. Voilà. Putain, avec une main ça va être compliqué. Donc voilà, ici apparemment. Donc juste faut tourner ça. Voilà, bon, je vous ferai une petite vidéo encore pour vous montrer. Après, voilà. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre ma Naomi en tâté. Bon, et en puis je savais même pas qu'il fallait tourner ça aussi, mais c'est vrai que c'est plus logique du coup. Il y a des vis en fait, ouais, à l'intérieur. Et donc voilà, nickel. Je vais pouvoir jouer à Karuga, Under Defeat, des jeux en tâté, mais à terme aussi ce que je vais faire, enfin pas à terme, très prochainement, parce que j'ai déjà reçu la carte Nano DE10. Je voudrais mettre en fait le Mister dans la Naomi pour pouvoir jouer à tous les jeux verticaux en fait, quoi. Donc il n'y a pas que des shoots, il y a pas mal de jeux d'arcade aussi. Donc par contre, ouais, le prix du Mister a énormément augmenté. Là, ça a quasiment doublé de prix entre les taxes et tout ça. Et puis il faut aussi un JVS 2X. Donc par l'intermédiaire de Greg, il m'a donné un contact pour pouvoir le brancher sur la borne. Donc voilà les amis. Petite vidéo, on va le lancer vite fait. Avec le système de couleurs, hein. Appuie pour voilà, pour se retourner en noir comme vous connaissez. Il est vraiment excellent ce shoot. Voilà les amis, allez, je vous laisse, à plus, merci d'avoir regardé.